Adèle. Bonjour. Enchantée. Merci. Installez-vous, je vous en prie. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans cette histoire un peu barrée? Moi, j'adore la comédie, hein, de toute façon, en tant que... Enfin, jeune spectatrice, on va dire, vraiment enfant, c'était le truc que je regardais, quoi. Par ailleurs, en termes de technique de jeu, c'est quand même différent, un petit peu. Parce que ça... Voilà, ça fait appel à une certaine souplesse et une vélocité, je trouve, qui est... Enfin, qui est vraiment la patte du film. Ce n'est pourtant pas la comédie qui a vu démarrer la jeune Adèle au cinéma. Un premier film à 13 ans, un second 5 ans plus tard, et puis ça ne s'arrête plus. Au total, une vingtaine de longs métrages, dont deux lui offriront chacun un César. Pas mal, quand on n'a même pas 30 ans. Le film En Liberté, je pense, j'ai pu le faire parce que j'avais eu des récompenses, voilà. Donc ça donne accès à certains projets, on va dire. Moi, après, franchement, dans la vie, c'est pas le truc qui m'amuse le plus, quoi. Enfin, vraiment, moi, j'ai la chance de faire le métier que je rêvais de faire. Alors, quels sont vos projets, Adèle Haenel, à court et moyen terme? Bah là, je vais tourner dans le prochain film de Céline Sciamma. Et après, je vais faire du théâtre avec Gisèle Vienne, qui est une chorégraphe normalement. Mais là, on va faire une pièce.